Vivendi ouvre une salle de cinéma à Yaoundé. La multinationale propriété du groupe Bolloré a inauguré son dernier né en présence de personnalités publiques camerounaises. Canal Olympia, deux noms référents à des patrimoines du groupe Vivendi. Cette salle d'une capacité de 300 places servira aux manifestations culturelles avec pour but de permettre l'éclosion de nouveaux talents. Le progrès de cette jeunesse, c'est non seulement d'avoir accès aux dernières technologies, aux sons Dolby stéréo, aux films qui sont envoyés en numérique et qui vont leur permettre d'avoir, bien sûr, en avant-première ou en première, des films qui se passent au même moment à Los Angeles ou à Tokyo, mais c'est surtout de trouver les talents camerounais et leur permettre d'être connus dans le monde entier. Cette salle de cinéma qui se trouve au sein de l'université de Yaoundé 1 redonne de l'espoir à tous les amateurs de films camerounais et ce après la fermeture des deux dernières salles du pays. À partir du moment où au bout de la chaîne il y a une bonne qualité de salle, je crois que les jeunes vont essayer de faire des œuvres qui pourront passer dans ces salles-là. Parce que vous savez, ici par exemple, c'est du numérique avec une qualité de mixage développée. Donc ça oblige les jeunes à penser à la finition de leur film, donc à travailler davantage. L'alimentation électrique est assurée par l'énergie solaire.